Et nous voici au Collège Saint-Michel, où a lieu apparemment, on y rentre en même temps que vous, un atelier do it yourself avec quelques élèves et une dame qui, je vois, a, coucou, a un bateau en main et vient de le donner à une petite fille. Bonjour madame! Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on fait un atelier récup'art, c'est-à-dire qu'on travaille à base de déchets et on essaye vraiment de travailler ça pour lui donner une forme artistique et que ça soit aussi pour conscientiser les enfants à ne pas jeter tout le temps des choses, mais au contraire à tirer profit de tout ce qui est des déchets. Quand vous n'êtes pas en classe, en fait, vous avez aussi une chaîne YouTube? Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé lors du premier confinement? Eh bien, quand on s'est tous retrouvés à la maison et que les enfants aussi étaient confinés, je me suis dit, mais il ne faut pas en rester là, il faut essayer de faire quand même quelque chose pour maintenir le contact, que ce soit moi avec eux, que ce soit eux entre eux. Justement, on va aller voir les enfants aussi parce que c'est quand même leur fête, hein. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors, il se peut que toi t'aies suivi un peu cette chaîne YouTube. Oui. Parle-en à moi, qu'est-ce qu'on y retrouve? En fait, c'était un plutôt récupère. Enfin, moi, je pense que c'est pour récupère et c'était un peu de tout aussi. On faisait ça à base de choses qu'on trouvait dans notre maison, par exemple du papier toilette, etc. Donc, c'était assez cool et c'était pas compliqué. Vois derrière toi une demoiselle qui, c'est quoi que tu as dans les mains? C'est une navette spatiale Wow. qui tient sur toutes les parties du corps, yes, qui sont difficiles à tenir. Parce qu'il y a l'équilibre entre les deux petites fusées ici et ça tient tout seul. Ça, c'est de la récup aussi. Oui, ça c'est aussi de la récup. Et à côté, je vois oh, un autre objet qui est de récup. Ça, c'est votre construction du jour. C'est quoi? Un bateau en papier. On a besoin de ficelle, de scotch pour faire les petits drapeaux et de petits bâtonnets pour tenir les ficelles avec les drapeaux. Et ben voilà, c'est déjà tout pour les ateliers d'Oran. On vous rend l'antenne et salut les enfants, à bientôt! Au revoir!